Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un peu plus d'entrain quand même. Bonjour à tous, allez. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est où? Andorre-la-Vieille. Ah, Andorre-la-Vieille. Allez. On est là, on s'est garé ici. On doit pas être très loin du centre-ville. Voilà, on vient d'arriver, on est garé près du centre-ville. On devait se garer sur un espèce de camping-car park pas trop loin du centre-ville aussi, mais c'était encore du 4 euros l'heure. Donc c'est quand même vachement cher, je trouve, pour aller visiter la ville. On a réussi à... Enfin, j'avais repéré en fait une rue pas trop loin, avec du stationnement qui avait l'air beaucoup moins cher. Du coup, j'ai été voir et au final, ouais, jusque là, il est midi moins 5. On a pris un ticket jusqu'à 18h30 pour 2 euros. Donc bon, là c'est bon. C'est pas très cher. Très très compliqué Andorre pour se garer. Bon, ben maintenant on va enfiler le sac à dos et nos jambes et on y va. Allez, à tout à l'heure. Allez, on y va tout doun. T'as pas oublié quelque chose? Mon sac à dos. Tu portes le sac à dos, c'est bien. Allez, donne-moi-le. J'ai fait exprès. T'as vu, maman, elle a pas porté le sac à dos. Ça veut dire, maman, elle a perdu un truc. Maman, elle a perdu une veste. Elle a perdu une veste aujourd'hui, maman. Parce que moi, j'ai porté le sac à dos et elle... Ah, c'est joli quand même. Ouais, donc Andorre-la-Vieille, c'est la capitale de l'Andorre. Et comme dans toutes les capitales, ils roulent comme des tarés. J'avais oublié ma casquette. On va démarrer un jour, sérieux. On va y aller. Ça fait du cardio. J'ai pas couru depuis 1994 en CM2. Y'a rien? Y'a plus de magasin, c'est ça? Ouais. C'est quoi ça? C'est quoi tout ça? Ouais, mais c'est des grands. C'est que pour les grands? N'importe quoi. Allez, viens, on y va. Regarde, c'est beau. Regarde. Ah, t'as vu, regarde quand je suis assorti à ce décor magnifique. Regarde. Toi aussi. €110.
C'est une star. Et... Oui, magasin, toi t'adores, toi, les zones commerciales. Regarde, c'est le fonction de National. Ah ouais. Ça a l'air bien, ça. En fait, on met National dans une machine, et après, ça nous prend en photo. Ah oui, ça prend l'iris. Ah, c'est ça. Oui, on l'a jamais fait, et en plus, t'as des couleurs rares et tout. Ah ouais, des couleurs rares. Bah, moi, j'ai des yeux rares, regarde. Attends, je vais le faire avec le téléphone. Voilà. Photo de ton œil.
petit lapin. Alors, est-ce qu'il y a assez de magasins pour toi? Non? T'as pas eu tes baskets? Il n'y avait plus ta taille. Ah! Regarde, c'est joli là-bas. J'irai bien là-dedans, moi, je te le dis. Un magasin AliExpress, quoi. Et puis c'est vraiment AliExpress, regarde. Il y a la mascotte, là. Pas moi. Allez, viens, on va aller voir. C'est quoi que t'as pris? Un stylo Bob l'éponge. Ah ouais, un stylo Bob l'éponge. Ça va, t'es bien. J'adore, oui. C'est chaud, hein, un peu de touille. Là, il est grand ce centre-ville. Quoi? Ah ouais! Joli, hein? Ouais. C'est une 126, je crois, mais je suis pas sûr. Je suis pas grand spécialiste, mais je crois que c'est une Fiat 126 à Bart. Bon, c'est joli, Andorre, la vieille, hein? Ouais, en plus elle est propre des couilles. Le centre-ville est très propre. Regardez ce que j'ai. Ouais, très joli. Il y en a des commerces et des machins. Si vous voulez venir vous habiller, regardez, en plus. Quoi faire ici? Et un Skechers encore, ouais, on va les voir. Un immense truc en travaux. Ouais, encore un immense truc en travaux. En vrai, on était venu il y a 10 ans. Je le reconnais même pas en fait, le centre-ville. Tout a changé, j'ai l'impression. Ouais, on était venu en 2014, donc il y a quasiment 10 ans. Et ouais, comme je disais il y a 5 minutes là, je reconnais pas du tout le centre-ville que j'ai visité il y a 10 ans. Ça a grave changé, quoi. L'Andorre c'est super bien, mais alors c'est très joli, hein, magnifique, mais alors si vous venez pour faire des affaires, croyez pas que tout est détaxé, quoi. Oh, allez, on vient de rentrer. J'ai plus de jambes. On est fatigué. Bon, parce qu'on en a pensé de l'Andorre. Enfin, Andorre la vieille, c'est très joli. C'est très propre. Beaucoup de boutiques en centre-ville. Beaucoup de vêtements. Beaucoup de. Ouais, vraiment, si vous aimez le shopping, vraiment, je suis surpris. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ça a vachement changé en 10 ans. Moi, je n'ai même pas reconnu le centre-ville. Donc, je pense que ça bouge beaucoup et que. C'est beaucoup plus grand que la première fois, en tout cas c'est l'impression que ça me donne. Je regardais sur internet si vraiment il y a eu beaucoup de travaux en disant, parce que je sais pas, je le reconnais pas. Sinon, ce qu'on en a pensé, bon voilà, non, c'est vraiment très propre, hein. Tu lâches le sol, hein, le truc c'est vraiment bien entretenu, c'était très joli. Le cadre, franchement, au milieu des montagnes, c'est super sympa. Sinon, ben voilà, pour l'Andorre, ne croyez pas que c'est pas cher en fait. L'Andorre, certes pour les cigarettes, l'alcool, le parfum, tout le gel douche, des machins, enfin voilà, tout ça c'est détaxé et beaucoup moins cher qu'en France, c'est clair. Par contre, pour tout ce qui est pour tout le reste, hein, la bouffe, les vêtements, enfin ce que vous voulez, c'est pareil, quoi. C'est pareil. C'est pas moins cher. Pour stationner, c'est un enfer. Dans le pays en général, hein, c'est vraiment un enfer. C'est un enfer, je trouve. Mais c'est cher, pratiquement 5 euros l'heure ou pas de la case pour les camping-cars, je parle. Pour les voitures, c'est un petit peu moins cher, mais c'est cher quand même. Enfin, 5 euros, presque 5 euros le stationnement à l'heure, bon, c'est complètement dingue. Et ici en Andorre, c'est enfin, ici en Andorre la vieille, c'est pareil. Bon, à part là, j'ai trouvé beaucoup moins cher, mais sinon,
Ouais, du gratuit, du parking gratuit, du truc, c'est très 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 compliqué. Du parc Fortnite gratuit, c'est très compliqué. Mais bon, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois dans la vidéo, je pense que je me répète, mais bon, désolé. C'est l'impression que ça me donne, c'est à ça que je pense souvent quand je suis en train d'en parler. Et puis voilà, donc voilà, bon, là, je sais pas où on va aller, on va prendre la route et on va peut-être voir. On va aller voir. Allez, on part direction Ortino, un petit village en Andorre, un des plus beaux villages de l'Andorre d'après internet. Du coup, on y va. L'Andorre, ça mérite une bonne semaine. Une bonne semaine quand même en camping-car ou ce que vous voulez, mais une bonne semaine. Il y a plein de randonnées à faire, il y a des lacs à voir, il y a plein de choses. Nous, on n'a pas le temps, on est là sur un week-end. On a visité ce qu'on pouvait, ce qu'on avait envie de voir en fait. Après, il y a plein d'autres choses qu'on aimerait voir. Il y a un parc avec une espèce de luge là sur rail là, qui descend, ça a l'air vraiment pas mal. Il y a une passerelle, alors il y a une passerelle un peu comme il y a par chez nous, hein, un pont tibétain en fait, à aller voir, ça a l'air pas mal. Elle est plus haute et plus longue que celle qu'il y a par chez nous, mais la nôtre elle est gratuite par exemple. Hein. Là à 3, j'ai regardé hier, ça faisait quand même du 39 euros, c'est du 13 euros par personne, ouais, 39 euros. Et ouais, enfin voilà quoi, c'est un budget quoi, hein, quand même. 39 euros pour passer sur un pont tibétain. Donc ouais. Ensuite, il y a aussi, j'ai plus le nom, mais l'espèce de plateforme suspendue dans le vide là. Ça a l'air pas mal aussi. Mais pareil quoi, c'est payant aussi. Bon, c'est moins cher, mais bon, c'est payant. Enfin, tout est payant en fait. Visiter l'Andorre, c'est bien, allez-y. Mais déjà, bon, il faut prévoir de l'argent. C'est pas parce que tout est détaxé, enfin, on croit que tout est pas cher que c'est pas cher. C'est cher. Il n'y a rien, il n'y a pas grand chose de gratuit une fois qu'on est là en fait. Et il y a plein de choses à voir. Je pense qu'une bonne semaine sera largement suffisant pour réellement visiter l'Andorre comme il faut. Si tu as aimé cette vidéo, like, comment, abonne-toi.